Ça, c'est magique. Nous avons été à Londres pour enregistrer une chanson bien connue, Stew Ball. Stew Ball est une chanson magnifique que tout le monde connaît. Et pour la réenregistrer, j'ai pensé à Michael Jones. Merveilleux Michael Jones, le compagnon de Jean-Jacques Goldman. Et nous avons été à Londres, dans le studio Abbey Road, le fameux studio de... Ask the girl what she wanted to be. Alors, ce que je peux dire à propos d'Abbey Road, c'est que c'est quand même le studio des Beatles. C'est eux qui l'ont fait connaître. Où j'ai vu d'ailleurs la console des Beatles. Il y a eu les mains de Paul McCartney là. Le public ne sait pas que Hugo Frey préférait de beaucoup les Beatles aux Stones. Je regarde l'artiste en train d'installer son chantier. Là, c'est parce qu'on est à Londres, parce que normalement, c'est pas moi qui le fais. Quand je découvre une mélodie extraordinaire de simplicité, qui a été faite par un inconnu. Il y a un texte en anglais qu'on peut chanter en français pour le faire découvrir aux Français. Et c'est ce que j'ai fait. Et moi j'avais 10 ans. Do you like? It's okay. Thank you very much. Okay. Bon. Hello. What's next? Like a Rolling Stone now. Cup of tea. Yeah. Pour raconter cette histoire terrible, on a utilisé un micro qui est fait avec une boîte à sucre. Dans les restaurants pauvres, on met sur les tables aux États-Unis du sucre en poudre. Et les Noirs fabriquaient des micros avec ces boîtes à sucre. Évidemment, le son est très particulier. Il y a un homme qui rôde et qui prend des noms. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis sûr que c'est des gens qui viennent repérer des Noirs. C'est donc le Ku Klux Klan. J'ai évidemment découvert des choses atroces. Jesse Washington, fils d'esclave. Ouvrier agricole, 17 ans, a été lynché, torturé, puis brûlé vif devant 10 000 personnes. C'était en 1916, dans la ville de Wagon. L'harmonica rentre quand? Ce n'est pas, comment dirais-je, pour des raisons politiques que je m'intéresse comme ça. Ce n'est pas des raisons sociales non plus. Ce sont des raisons sociétales, mais surtout humanitaires. À la mort, par pendaison, ces fantômes qui nous torturent et qui nous broient. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de travail encore dans ce domaine. Il juge, il pille, il torture, il renie et il parjure. Ce Klansman a des mains couleur de sang. Pas mal, hein? Cool, hein? Ah ouais. Et après, on va passer à Stew Ball. Ok. Tu as le texte? Oh, yeah! Il s'appelait Stew Ball. C'était un cheval blanc.
Tubal est une chanson magnifique que tout le monde connaît et qui fait partie du répertoire des enfants qui maintenant ont 50 ans ou 60 ans et continuent de pleurer en écoutant cette chanson. Notre pauvre père, pour acheter ce pur sang. Évidemment, j'ai demandé à Michael Jones de faire la deuxième voix, enfin de chanter avec moi cette chanson mythique. Jusqu'à son dernier franc. Moi, je pense. Après, c'est moi. Là, c'est évidemment, c'est toi. Et là, tu parles c'est de ton encore. Père aussi. Oui. Mais là, c'est à la troisième ça, personne. C'est toi, c'est toi. Je peux le faire. Voilà. Après, exactly. Il faut que ça soit. Exact. You're right. Il avait dans la tête d'en faire un grand champion. Moi qui ne voulais pas être auteur-compositeur, eh bien je suis devenu colporteur de tout ce folklore qui va toucher le cœur des Français et qui va rentrer dans la tradition française, comme Santiano, Stubal, le petit âne gris, etc. Mais moi je crois que si tu veux qu'on soit émouvant, peut-être je peux dire ça. Je sais, dit mon père, que Stubal va gagner. Mais toi, tu dis, mais après la rivière, en chantant. Mais après la rivière. Stubal, c'est toi qui le dis, ça. Stubal est tombé. Ok. Je sais, dit mon père, que Stubal va gagner. Mais après la rivière. Quand le Pardon. J'en garde un très très bon souvenir. En plus de ça, c'est un secret. On a eu la visite de Jean-Jacques, que j'avais pas vu depuis des années et des années. Ça a été un immense plaisir. La, 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 la. La, donc cette soirée de Stubal à Londres, à Abbey Road, inoubliable.